Un nouveau défi, après avoir été secrétaire d'État, député et maire de Mantes-la-Jolie, l'une des plus grandes villes du territoire, Pierre Bédier se lance à la conquête de la fédération Les Républicains. Le président du conseil départemental démarre sa campagne dans un contexte compliqué pour son parti. Recul au niveau national, perte de 90% des adhérents en 2017 dans les Yvelines. Sa priorité pour inverser la tendance, retourner sur le terrain auprès des militants. Retrouver une envie de militer et de militer autour d'une génération montante qu'on doit préparer pour les futures élections et autour de propositions claires aussi bien au plan national qu'au plan local. La dimension programmatique, ce travail-là doit être une de nos priorités, mais pas que. Il faut aussi faire de la détection et puis de l'animation. Animer des soirées et débats, créer une école des cadres politiques pour faire de la formation, travailler auprès des militants et sympathisants, quelques ébauches de propositions que Pierre Bédier a présentées devant près de 500 personnes au PEC. Dans la salle, ses principaux soutiens qui mettent en avant son expérience et son envie de rassembler. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont également fait le déplacement. On ne fait pas du jeunisme et c'est important de s'appuyer sur un socle d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, ce dont a besoin effectivement la droite, c'est d'abord de vraiment refaire le terrassement. Et puis ensuite, on construira tranquillement la maison. Et ça demande un petit peu de temps. C'est le seul aujourd'hui qui puisse rassembler tous les militants, qui puisse demain également aider tous les élus pour reconstruire notre fédération. Parce que c'est un homme qui a une histoire, c'est un homme de terrain et c'est avant tout un militant. C'est un homme sur qui on peut compter, c'est un homme qui mouille sa chemise pour les autres et c'est un homme qui représente très très bien les convictions des LR. Pierre Bédier fera face notamment au duo de candidats composé par Alexandra Dublanche et Otman Nasrou. Les élections à la présidence de la fédération Les Républicains sont programmées les 13 et 14 octobre prochains.